Alors, cette chanson que je viens de vous faire écouter, qui est Le peuple crie, ouais, vient témoigner de ce qui s'est passé hier sur les grandes gueules. Vient carrément vous mettre clair ce qu'on avait dit hier. Je l'ai dit dans la rentrée de cette chanson, j'ai dit clair que nous avons crié Amoulamfé. Avec le FNDC, on a crié partout Amoulamfé. On a dit dans nos langues, on a dit en Kissi, au Bendalé, on a dit en Malinké, à Tébéng, on a dit en Poular, Gassata, on a dit en Guernesey, au Païpéli, on a dit en Thomas et la Zologa. Dans toutes les langues, nous avons pu dire que l'affaire de troisième mandat peut nuire à la réputation de M. Alpha Condé, à finir avec son image de démocrate pour le faire un despote. On l'a dit qu'un mandat de trop serait mauvais pour Alpha Condé et l'envoyerait dans la poubelle de l'histoire. Au lieu qu'il soit dans les honneurs de l'histoire de la Guinée, des honneurs de celui qui a donné le sens à la démocratie, à la Guinée qui venait. On l'a dit. Mais, comme je l'ai dit dans la chanson, vous n'avez jamais cru. Et je l'ai dit à l'entame de cette chanson, j'ai dit, c'est pas toi qui as dit que tu veux le troisième mandat. C'est pas toi qui as dit que, même s'il faut six mandats que tu es dedans, et aujourd'hui c'est toi qui crie que les choses sont chères, tu n'as rien vu encore. Je t'ai dit, oh, bon. Oui. Eh bien, voilà, ils n'ont rien vu, voilà, ça commence. Si hier, les choses étaient chères, aujourd'hui, c'est des coups de poing qui commencent pour cette affaire de troisième mandat. Des coups de poing commencent déjà. Les coups de poing commencent. Mais nous avons dit, c'est pour cela, quand tu veux faire quelque chose, sois du côté du peuple. Sois du côté du peuple. Parce que un jour viendra, l'histoire va te rattraper. Je suis aujourd'hui dessus de voir la réaction de certains qui ont soutenu le troisième mandat à visage découvert, ou qui ont soutenu le troisième mandat c'est-à-dire à visage découvert ou pas. De quelque manière qu'il soit, se retourner contre ce monsieur Aboubacar Souma, qui a eu l'audace, qui a eu le courage, qui a pris sa dignité, il a mis sa dignité devant, qui a accepté de vendre sa dignité claire devant le peuple de Guinée en disant qu'il soutenait le quatrième, voire le dixième mandat d'Alpha Condé. C'est Souma qui l'a dit. Mais, qui a donné cette parole à Souma? Qui lui a donné cette parole? Qui lui a tendu ce micro à l'époque? Parce que je vais vous dire une chose. Les interviews que faisait cette télévision, Espace TV, à l'époque, les interviews étaient bien choisies. Les personnalités invitées étaient bien choisies. Seules les personnes qui pouvaient nous rendre la vie difficile, la tâche difficile de se battre contre le troisième mandat de M. Alpha Condé, les gens l'ont invité. Ceux qui venaient avec des soutiens bidons, qui venaient avec des termes pour soutenir le mensonge, aimaient inviter Espace TV pour alimenter un faux débat. Parce que Espace, de son DG, à ces journalistes, à ces techniciens, savaient pertinemment que alimenter un débat sur le troisième mandat n'était que mettre le pays là en danger, n'était que mettre le peuple en danger, parce que la loi était claire là-dessus en son article 27 de la Constitution guinéenne.
Je vous rappelle, juste vous allez lire la partie que j'ai donnée encore à l'époque. Je vous rappelle la partie. En son article où j'avais dit cela. Écoutez le message, la seule partie. La seule partie. Après, on continue. Laissez-moi allumer. La seule partie, hein. Écoutez. Article 27 de la Constitution guinéenne. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels, consécutifs ou non. La Constitution est le pilier de la démocratie. Écoutez bien. Quiconque joue avec ça, qui verra le peuple sur son chemin. Écoutez bien. Mais quiconque blague avec ça, coulera le sang du peuple. Vous entendez, hein? On respecte ses valeurs. Écoutez, nous, c'est sur la partie. Développement. On respecte la loi. Si nous voulons le progrès, nous avons opté pour la démocratie. Alors respectons-la. Nous avons opté pour la démocratie. Qu'on respecte la Constitution. Deux mandats, c'est bon. C'est ce que demande le peuple. Un mandat renouvelable une fois. C'est ce que le peuple a voté. J'espère que vous avez écouté la partie. N'est-ce pas ici, la loi, elle est claire sur cette question de troisième mandat. Si moi, Amiral Dag Kamano, savais que la loi n'était pas claire sur ce problème, j'allais faire la même chose comme les journalistes d'espace. J'allais me lancer dans le même débat que certains de nos frères qui ont cru que cette affaire n'est pas leur affaire. Le problème du troisième mandat n'est pas leur affaire. Mais c'est une affaire entre les Amoulanfé et les Alamané. Et ils étaient à Nawotagi. Je pouvais le faire. Mais nous savons que, en son article, la Constitution de 2010, en son article 27, disait, le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non. Point barre. C'est fini, il n'y a rien. À partir de là, la télévision Espace FM de son DG à ces journalistes, dans leur émission Grande Gueule, ne pouvaient plus faire ça d'une émission, ne pouvaient plus faire ça d'un débat, pour appeler les gens à leur demander s'ils sont pour ou contre le troisième mandat de M. Alpha Condé. Parce que, clairement, on ne regarde pas l'avis de quelqu'un, on regarde ce qui est de nos lois. C'était ça le problème. Aussi, si c'était pas important de demander l'avis de quelqu'un, parce qu'aujourd'hui ils sont en train de condamner M. Souma qui avait donné que son avis pendant qu'il y avait l'avis du peuple, l'avis de la nation, l'avis du peuple qui était déjà écrit dans la Constitution. Pourquoi demander? Et ce M. Souma fait partie du peuple de Guinée. La Constitution de 2010 garantissait M. Souma. Monsieur Souma se retrouvait dans la Constitution de 2010. Ça n'a pas été mis en place par Dak, ça n'a pas été mis en place par Lamine Guirassy, ça n'a pas été mis en place par Zakari, ça n'a pas été mis en place par Ahmed Kourouma ou bien un autre. Ça a été mis en place par le peuple de Guinée. Cette Constitution était mise en place par le peuple de Guinée. Comment espace à l'époque qu'on a interpellé pour leur dire, attention, vous êtes en train de donner des portes de sortie à M. Alpha Condé pour se donner un troisième mandat, parce que vous êtes en train de mettre des ingrédients en place pour aider ce monsieur-là à lui faire croire que oui, il était possible pour lui aussi d'avoir un troisième mandat. Pendant que la loi l'interdisait. Vous savez pertinemment que la loi dit
était intangible sur l'article 27. Le point là était intangible. Il ne fallait pas violer l'article là. Mais vous avez alimenté le débat. C'est chez vous, à Espace. Nous avons appris que si Paul avait eu hier à modifier la constitution pour se faire un troisième ou quatrième ou cinquième mandat, c'est que Pierre aussi pouvait l'avoir, que personne ne peut empêcher Alpha Condé à travers un référendum. Donc, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils ont dit. Qu'à travers un référendum, Alpha Condé pouvait avoir la légitimité de se faire un troisième mandat. C'est pas Espace qui a dit ça. C'est pas les journalistes d'Espace qui ont dit ça. J'ai le respect à l'époque. J'ai eu le respect pour certains que je vais vous citer tout à l'heure. Moussa Moïse, Sylla, j'ai eu le respect de ce monsieur à l'époque. Mohamed Mara, j'ai eu le respect pour ce monsieur. Boubacar, qui est actuellement sur FIM, le DG de FIM, j'ai eu le respect pour ce monsieur. Moussa Yero, j'ai eu le respect pour cette dame. Giba Milimuno, j'ai eu le respect pour ces jeunes. Pour lui aussi, ce monsieur. Voici ces quelques personnes que je peux citer parmi eux, que je peux donner aujourd'hui raison, parce que hier, ils étaient aux côtés du peuple. Mais pas aux autres. Je suis désolé. L'acte que M. Aboubacar Souma a posé dans les locaux de Espace sont de nature d'une violation. C'est de nature d'une violation. C'est condamnable. Mais je peux le comprendre parce que M. Aboubacar se sent aujourd'hui frustré d'être lâché par ceux avec qui il a soutenu le troisième mandat d'Alpha Condé. Parce qu'ils savent pourquoi ils l'ont invité. Parce qu'ils étaient de bons, ils étaient de même camp à l'époque. Ils étaient de même camp à l'époque avec M. Aboubacar Souma. C'est pour cela que le monsieur se met dans tous ses états contre eux. Même eux, parce que Aboubacar Souma sait que Espace, au long de à peu près plus de 2 ans, Espace était en train d'alimenter. Gassama a parlé à Espace fatigué. À Espace fatigué. Les gens la trouvaient toujours des prétextes pour pouvoir contredire ce patriote Gassama. Espace a contribué à calomnier toute personne qui se battait contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Espace a calomnié ces personnes-là. Certains, par honte même, ont fini par perdre la vie. Khalifa Sall, en est une des victimes. Le feu Khalifa Sall en est une des victimes. Qui a calomnié ce monsieur? Vous avez vu avec tous les noms que les journalistes d'Espace ont traité ce monsieur, tout simplement parce qu'il a dit la vérité à Alpha Condé, de ne pas se prêter à ces sirènes révisionnistes. De ne pas prêter attention à ces sirènes révisionnistes qui lui diront de changer la constitution. Ils ont ridiculisé ce monsieur devant un monsieur honnête, Khalifa Sall, un monsieur honnête qui a défendu la Guinée, qui a défendu les intérêts de la Guinée, qui a défendu les textes de la Guinée. Khalifa Sall lui a fait ça, qui a défendu ce que le peuple avait déjà voté. Mais Espace s'est mis à calomnier ce monsieur, à faire sortir des anciens dossiers de ce monsieur, de quoi pour montrer que le monsieur n'était pas un bon exemple, comme ils ont commencé avec hier, comme ils l'ont fait avec Aboubacar Souma, pour dire qu'il n'est pas un bon exemple pour nous parler de ce qui se passe actuellement dans ce pays. C'est pour cela que les autres craignent de s'ajouter à eux. On s'en fout. Je dis bien, on s'en fout. Qu'on croit en lui ou pas, mais au moins
Lui, il a accepté d'être clair, de ne pas être un hypocrite. Il est sorti devant le peuple de Guinée soutenir Alpha Condé. Il n'a pas été hypocrite. Il a montré son visage devant tout le monde. Mais ceux qui ont caché leur visage pour donner le pouvoir, le troisième mandat à Alpha Condé, ce sont qui? Et vous en faites partie, vous les journalistes d'espace. Certains journalistes d'espace faisaient partie parce qu'ils avaient leur part de gâteau. Ils critiquent la journée. La nuit, ils sont dans les couloirs de Sékou Touré pour aller prendre quelque chose avec le pouvoir en place. Vous avez voulu élargir votre auditoire en alimentant un faux débat que la loi même condamnait déjà. La loi était claire là-dessus. La loi était claire. Mais vous avez l'audace de rappeler des, vous de prendre des séquences, de dire des autres pour venir brandir ça sur vos antennes, mais vous ne faites jamais la barre de vos émissions. Faites la barre de vos émissions, on va voir. Retournez sur vos émissions que vous avez donné la parole à ceux qui défendaient le peuple, ceux qui défendaient la constitution de 2010. Vous allez retrouver des questions que posaient vous, journalistes d'espace. Retournez là-dessus. On va voir si vous avez soutenu le troisième mandat ou pas. Vous avez soutenu. C'est pas aujourd'hui parce que les choses ont changé que vous voulez salir les autres pour vous rendre blanc comme neige et vous rendre comme si vous êtes les plus bénis de ce pays ou vous êtes les plus écoutés de ce pays ou les plus intelligents de ce pays. Je m'en fous. Ça c'est de l'hypocrisie ce que vous faites. Le monsieur a plein le droit d'être en colère contre vous. Je condamne fermement la réaction d'Aboubacar Souma sur le journaliste Ahmed. Je condamne fermement. Et je pense même que, même quand ce même Ahmed, je pense bien que c'est venu de ses propos. Il s'était, quand il est rentré, je pense qu'il était, lui, il était en vacances. Quand il est rentré, il a bien dit, je n'étais pas là. Mais ce qui s'est fait en Guinée ne devrait pas se faire. Les gens ont alimenté un faux débat. Les gens ont fait ceci. Il parlait de vous-même parce qu'il est à espace. Mais il a dit, celui qui a été agressé hier, je l'ai écouté une fois. Lui-même, à son retour, était contre de ce qui s'est passé dans ce pays. Il était contre. Mais ce qu'il a manqué de faire, c'est de rappeler à ses amis d'aller prendre dans les archives, eux aussi, la défense qu'ils ont fait pour Alpha Condé. Parce que c'est sur espace, nous avons entendu que si, je vous donne les mots clairs, hein, ce qu'ils disaient, à espace, ils ont condamné Mfaya Milimuno à l'époque. Ils ont traité Faya Milimuno de tous les noms à l'époque. J'avais vu ça. Lorsque Faya cherchait dans les termes comment bloquer ce problème de troisième mandat, Faya était en train de chercher jusqu'au jour où Faya a porté une accusation contre un ex-ministre d'Alpha Condé qui lui a valu l'arrivée à la maison centrale. Je vous ai écouté ces jours. Je vous ai écouté tout ce que vous avez dit. C'est même les journalistes d'espace qui ont dit, certains parmi eux, que le président Sidy Touré n'est pas une bonne personne pour donner la leçon, c'est-à-dire à Alpha Condé, ou pour donner la leçon aux autres Guinéens, parce que si le président Sidy Touré avait été nommé par Alpha Condé pour être son haut représentant, et qu'il n'avait plus droit à la parole de se battre contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Que puisque c'est eux qui ont fait Alpha de ce qu'il est. J'ai entendu ça avec les journalistes d'espace. C'est encore les mêmes journalistes d'espace qui ont traité le président Sélou dans un dialogue, qui n'avait pas droit à la parole parce qu'il faisait partie de ceux qui ont, à l'époque, au temps de Lansana Conté, à l'époque, changer la constitution pour donner un mandat de trop à Lansana Conté. C'est encore espace, j'ai écouté ça. C'est vous, les espaciens, c'est vous qui avez dit ça.
Alors, on vous a dit à l'époque, est-ce que, parce que Paul a commis une erreur hier, Paul a volé hier, qu'il faut forcément à Pierre aussi, aujourd'hui, de voler pour être aux mêmes mesures, à la même mesure que Paul? Est-ce que c'est comme ça? Lorsqu'on dit que la loi dit que le vol est condamnable, et que parce que Paul a volé hier, qu'il fallait encore autoriser à Pierre de voler pour qu'on soit au même pied d'égalité, comme ça on peut changer de quoi dans ce pays? Si nous nous référons à chaque fois que parce que Paul a fait, Pierre aussi a le droit de faire, Pierre a fait, Paul a le droit de le faire, quand allons-nous changer? Quand les choses marcheront? Dites-nous, vous alimentez tous les débats en Guinée, toutes les crises en République de Guinée, espace est le noyau des crises en République de Guinée. Il faut le reconnaître, la télévision espace est le noyau des crises en République de Guinée. C'est le noyau des crises, parce que c'est espace qui alimente tout. C'est espace qui donne la parole aux gens pour se défendre sur le mensonge. Est-ce que c'est ce que vous appelez la liberté d'expression? Est-ce que c'est ce que vous appelez la démocratie ou la liberté, je ne sais pas, de s'exprimer ou de son droit et ses devoirs? Bannir les lois de la République pour donner la parole à un individu de se défendre lui-même, n'est pas défendre les lois de la République, mais de côté les lois de la République. Il défend son idéologie et vous le soutenez sur ça. Après demain, vous venez mettre ces trucs-là pour dire qu'il avait dit ça hier. Ça n'engage que Aboubacar Souma. Ce qu'il a dit hier n'engage que lui. Et ça, c'est vous qui l'avez demandé. C'est vous qui avez voulu savoir si Aboubacar Souma était pour un troisième mandat ou pas. C'est son idée, il a dit. C'est propre à lui. Est-ce que vous avez écouté le message d'Aboubacar Souma? Est-ce que Aboubacar Souma a dit que le troisième mandat est une loi de la République de Guinée, que donc personne ne peut interdire Alpha Condé de l'avoir? Est-ce qu'il vous a dit ça? Vous avez entendu ça? Que c'est une loi qui est dans la Constitution, c'est une loi de la République de Guinée, que personne ne peut interdire Alpha de l'avoir parce que c'est une loi votée par le peuple. Vous avez entendu ça dans la bouche d'Aboubacar Souma? Il vous a donné son avis en donnant les motifs de pourquoi il soutient, lui personnellement, le troisième mandat. Dites-nous, qui de nous ici, quand nous avons soupçonné M. Alpha Condé d'avoir l'intention d'avoir un mandat de plus, quand on a dénoncé, qui a commencé avec des émissions comment je vais le dire, sur le troisième mandat? C'est chez vous on a commencé ça. Quelle télé, quelle télévision ou radio avait commencé ça en Guinée, parler de troisième mandat? C'est vous. Parce que vous avez l'importance, vous gagnez de l'argent pour que ces gens-là viennent sur votre télévision, sur votre plateau. C'était cautionné de quelque chose. Ils venaient dans vos studios, c'est pas gratuit. C'est pas fait gratuit à l'époque. Certains payaient pour venir défendre leur mensonge. Et vous avez pris l'argent de ce mensonge-là, de ces personnes-là, ils vous payaient pour passer dans vos émissions à l'époque. Certains vous payaient. Certains payaient même les activités de mouvements de soutien de troisième mandat pour que vous les fassiez passer sur vos antennes. Vous avez pris l'argent du mensonge à l'époque. Et c'est vous qui voulez venir donner des leçons à certains Guinéens pour leur dire qu'ils ont dit ça hier et ils ne veulent pas assumer. Vous assumez d'abord. Assumez que vous avez alimenté un faux débat pendant que l'article 27, la loi guinéenne, interdisait à M. Alpha Condé d'avoir un mandat de trop, un mandat de plus. Assumez que cela était de la loi. Assumez que cela était de la Constitution. Pourquoi vous ne l'assumez pas? Pourquoi vous ne l'assumez pas?
Et vous venez vous en prendre à un monsieur qui a donné son avis. Au moins, il a été honnête dans son avis. Il a parlé en son nom. Chez lui, à l'époque, il décrit des circonstances qui font pour lui que Alpha peut avoir un quatrième mandat ou un dixième mandat. Mais Souma oubliait que quand il s'agit de la loi, il n'y a rien au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est là, lui, Aboubakar Souma, avait oublié à l'époque en donnant son avis pour dire que le tissu social guinéen était déchiré. Il y avait une ethnisation de la scène politique. Il y avait tout dans la vie sociopolitique de la Guinée. Donc, si tel est le cas, pour lui, Alpha pouvait continuer même pour un dixième mandat, un quatrième ou dixième mandat. Malin qu'il soit plus que vous, vous lui demandez une question sur un troisième mandat. Lui, il ne vous répond pas avec le mot troisième mandat. Il vous répond avec quatrième et dixième. Dites-moi, entre vous là, qui a soutenu le troisième mandat? C'est le français. Ou? Si c'était une correction à l'école, une composition, on te dit, es-tu pour un troisième mandat? Toi, tu viens donner la réponse, je suis pour un quatrième et dixième mandat. C'est la réponse du troisième mandat que tu as donné. Dites-moi, est-ce que la réponse que tu as donnée là, tu seras admis? Parce que si tu es pour le troisième mandat, tu diras dans ta réponse, je suis pour le troisième mandat. Mais il vous dit, même s'il faut un quatrième ou un dixième mandat à M. Alpha Condé, je suis pour qu'on lui donne. Il ne touche pas le mot troisième mandat. Et vous venez vous en prendre au monsieur. Même si dans son support, c'est-à-dire par les termes, idéologiquement, il était pour un troisième mandat. Idéologiquement, il était pour un troisième mandat. Mais dans la réponse verbale donnée, il ne touche pas le mot troisième mandat. Je ne le soutiens pas parce qu'il a soutenu. Idéologiquement, il a soutenu le troisième mandat. Mais la définition pour laquelle il voulait soutenir ce troisième mandat, c'est là le monsieur se trompe pour mettre en avant l'idée, c'est-à-dire l'idéologie humaine, l'idéologie individuelle sur la loi de la République qui interdisait Alpha Condé de le faire. Tu peux le dire, je te comprends, celui qui dit, c'est comme s'il voulait dire qu'il est pour plus que le troisième mandat. Il est pour plus que le troisième mandat. Mais en réponse sur papier, il n'aurait pas trouvé la bonne réponse. En réponse sur papier. Dans son idéologie, il était pour plus que le troisième mandat. Il pouvait même aller au-delà du troisième mandat dans son idéologie. Mais dans sa réponse du mot troisième, parce qu'on veut prendre chacun par ce mot. Quand tu l'as dit seulement, tu as soutenu le troisième mandat, la personne te dit, où j'ai soutenu le troisième mandat, montre-moi les preuves. Pourtant, on en a vu. Il y a combien de ministres aujourd'hui dans ce gouvernement qui ont soutenu le troisième mandat? Espace, vous avez dit quoi? Le ministre de l'administration territoriale, Mori Kondé, on l'a vu dans les événements. On l'a vu dans les événements. Vous avez dit quoi? L'actuel président de la transition, Mamadi Doumbouya, n'avait-il pas soutenu le troisième mandat d'Alpha Condé? Si nous voulons dire la vérité, vous êtes parti lui tendre le micro pour lui dire que vous avez soutenu le troisième mandat? Parce que nous avons vu, à la veille de ces élections, après les résultats, les forces spéciales sont-ils sorties contre le peuple, oui ou non? On les a vus déployer dans tout Conakry, oui ou non? Ça s'est fait devant moi.
Ils étaient déployés sur l'axe jusqu'au fond. Oui ou non, les forces spéciales étaient sur l'axe. Dans sa Kourouma qui est actuellement président de CNT, a soutenu le troisième mandat, oui ou non? Qui n'a pas soutenu? Qui de vous autres? C'est pour cela, je ne sais pas. Il y a Makanera qui est venu dire que, à part le FNDC et l'UFDG, pas même l'ensemble de l'UFDG, il dit encore pas même l'ensemble de l'UFDG, le parti là, mais il dit quelques-uns de l'UFDG et le FNDC, seuls ceux-là n'ont pas soutenu le troisième mandat, que sinon tout le reste ont soutenu le troisième mandat. Pourtant, Makanera aussi, c'est vous qui lui donnez la parole plutôt. Excusez-moi. C'est vous qui lui avez donné la parole. Vous avez alimenté ce débat qui n'avait pas le droit d'être Il fallait même pas parler de troisième mandat. Votre mission en tant que journaliste, votre mission en tant que la radio, la télévision la plus écoutée à l'époque, c'était de conscientiser, de vous munir de la constitution en main. Cette constitution allait être votre arme de défense, de vous munir des lois de la République, qui allait être votre arme de défense, de dire, attention, la constitution de 2010, en son article 27, condamne fermement à M. Alpha Condé de soutenir et d'avoir l'intention de briguer un troisième mandat. C'était ça, il fallait le dire. Qu'il monte, qu'il descende, il fallait donner la parole à ceux qui se battent, ceux qui veulent garantir cette loi, ceux qui veulent défendre cette loi. Il fallait les encourager, il fallait les soutenir, il fallait continuer jour et nuit à continuer à dénoncer cela. Je vous jure, Alpha Condé se serait retenu pour cette question de troisième mandat. Mais dès que ça sort dans votre télé, vos journalistes étaient en train de dire tel a fait ça avec Lansana Conté, pourquoi pas Alpha Condé? Tel a été avec toi, tu as été avec Alpha Condé, tu vas nous dire quoi? C'est quoi? Si nous devrons apprendre à changer, apprenez à changer vous aussi. Si vous voulez que les gens changent la mentalité, changez la mentalité vous aussi. Parce que ce que vous avez fait, vous avez incité les RPGistes à aller à un troisième mandat. Vous les avez incités à le faire, qu'ils avaient le droit de le faire. Vous avez incité Alpha Condé à lui dire qu'il pouvait, à travers le référendum, se légitimer pour avoir un troisième mandat. Vous l'avez induit dans ses erreurs. Vous, si Alpha est à terre aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui ont mis Alpha Condé à terre. Vous, les journalistes d'espace, j'ai enlevé déjà ceux dont qui se sont battus aux côtés du peuple, je les ai cités déjà. Si Alpha Condé est sorti par la petite porte, vous faites partie de ceux qui ont occasionné cela que Alpha Condé sort par la petite porte. Parce que tout simplement, il fallait dire à Alpha, hey, l'affaire là, la loi la condamne. Coron ne fait pas. Il fallait nous dire ça. Il fallait nous dire. Mais un tel sort, c'est dans vos termes là-bas, on a commencé à apprendre Hôtel 5 étoiles, la façon de vous moquer des leaders politiques, la façon de vous moquer des leaders de la société civile arrêtés par Alpha Condé, vous avez qualifié la maison centrale de l'Hôtel 5 étoiles. C'était vous qui avez commencé avec ça. C'est vous qui avez commencé à ça.
C'est vous qui avez encouragé pour dire que quand tu dis la vérité en Guinée, il faut partir à 5 étoiles. Quand tu sors pour manifester, comme vous le faites actuellement, la preuve même, vous êtes en train encore d'induire du mouya dans les erreurs en faisant croire que dans ce pays, même hier, j'ai entendu un de vos journalistes dire que les manifestations en Guinée n'ont jamais été pacifiques. Ça a été dit par un de vos journalistes. Un de vos journalistes a fait encore hier comprendre aux gens, pendant que vous êtes sur une télévision qui a écouté, un de vos journalistes a dit qu'aucune manifestation en Guinée n'a été pacifique. Que toutes les manifestations en Guinée ont été d'une couleur de violation. C'est vous, la même chose vous êtes en train d'induire aujourd'hui, de mouiller dans les erreurs. Parce que c'est vous qui êtes encore en train d'alimenter une question qui est claire, une des droits de l'homme. Certains parmi vous sont en train de dire que non, vous préférez tel, les manifestations ont toujours donné des morts, des manifestations. Dénoncez ceux qui ont tué. Mais ne dénoncez pas ceux qui veulent manifester. Parce que la manifestation, c'est un droit. Mais dénoncez ceux qui tuent. Faites des enquêtes contre ceux qui tuent. Mais vous laissez de faire des enquêtes contre ceux qui tuent. Vous laissez de faire des investigations contre ceux qui tuent. Vous venez soutenir pour dire que c'est quand tu sors, tu meurs. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la loi en République de Guinée est écrit quelque part, il est écrit dans la loi de la République de Guinée que manifester est égal à mourir? C'est pas vous qui êtes en train de soutenir ça. C'est pas vous encore, à espace, vous êtes encore d'accord avec l'interdiction de manifester de Doumbouya. Après, quand demain ça va aller mal, vous allez venir prendre ceux qui vous accompagnent dans les dits. Vous avez le temps de les enregistrer, mais vous n'avez pas le temps de vous enregistrer vous-même. Vous avez le temps d'enregistrer vos invités, vous n'avez pas le temps d'enregistrer vous-même. Vous êtes en train de nous dire que vous condamnez les manifestations, parce que les manifestations en Guinée ont toujours réprimé dans le sang. Les manifestations en Guinée, c'est toujours une connotation de violence, détruire les biens publics, faire ceci ou cela. Vous défendez les objets plus que la vie humaine. Vous défendez ces objets que l'on peut reconstruire en une seconde, en une fraction de seconde, plus que la vie humaine qu'on ne peut plus rendre à la personne et à sa famille. Combien de bus ont été brûlés en Guinée? Et combien de bus la Guinée a aujourd'hui? Ça a été racheté, oui ou non? Dites-moi, le train qui a été vandalisé par des jeunes, un autre train continue à circuler aujourd'hui, oui ou non? Les lampadaires qui ont été cassés, ces mêmes lampadaires sont remis en place, oui ou non? Mais dites-moi, journaliste d'espace, les quelques 200 ou 400 jeunes couchés aujourd'hui dans les cimetières de la Guinée, un peu partout en République de Guinée, pourront-ils revenir en vie? Dites-moi, vous, journaliste alimentaire d'espace, c'est quelques 200 ou 300 jeunes aujourd'hui enterrés sur toute l'étendue du territoire. Pourront-ils revenir en vie? Pourront-ils revenir en vie? Est-ce que vous pouvez les ramener à la vie? Dites-nous si vous pouvez les ramener à la vie. Alors il fallait condamner et il faut condamner fermement ceux qui tuent et non ceux qui manifestent. Si vous êtes honnête, si vous vous battez pour la liberté en Guinée, si vous vous battez pour la démocratie en Guinée, nous défendez ça. Parce que nous, on vous a soutenu. Quand vous étiez menacé, c'est le peuple là encore qui vous a soutenu. C'est ce même peuple là qui vous a soutenu. Vos journalistes ont été menacés ici. Qui a soutenu pour dire à Alpha Condé de libérer vos journalistes? C'est encore nous le peuple. C'est encore nous le peuple. Au lieu de défendre le tueur, pardon, venez défendre maintenant ceux qui sont tués.
Vous laissez de défendre ceux qui sont tués. Vous venez défendre les tueurs. Vous venez prouver à la face du monde que ceux qui tuent ont un justificatif, ont une raison de tuer. Que parce que tout simplement tu as manifesté pendant que vous, quand ça ne va pas chez vous, vous manifestez. Même Lamine Guirassy, s'il manque de vous payer, vous manifestez. Mais c'est vous qui interdisez aux autres de ne pas manifester. Et vous traitez de toutes les manifestations qui sont passées en Guinée. Je suis déçu d'avoir entendre ça de la bouche d'un de vos journalistes hier qui disait que aucune manifestation en Guinée n'a été pacifique, que tout a réprimé et réprimé dans la violation. Moi, j'ai manifesté combien de fois? J'ai manifesté combien de fois? Ce n'est pas moi, ni avec ceux dont j'étais, qui se sont attaqués aux forces de l'ordre, dans la voiture à laquelle moi j'étais. On a été dispersés par quoi? C'est par les forces de l'ordre, avec le gaz lacrymogène. Ils nous ont dispersés. À l'époque, contre le troisième mandat, j'étais avec les Foniqués. En ce temps, les autres étaient en prison. Mais qu'on arrête de se foutre des gens. Vous êtes assis tranquillement dans votre émission, sur votre plateau. Vous voulez faire croire qu'il y a des gens en Guinée qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas écoutables, parce que c'est comme ça, vous le dites. Donc, je m'en fous. Hein. En tout cas, de tout compte fait, vous avez soutenu le troisième mandat de la même façon que Aboubacar Souma a soutenu. Hein. Vous n'êtes pas différent d'Aboubacar Souma. Hein. Il faut être clair. Il faut se dire la vérité. Vous n'êtes pas différent d'Aboubacar Souma qui a soutenu ouvertement le troisième mandat de M. Alpha Condé. Plutôt, c'est Aboubacar Souma qui est différent de vous. Parce que lui, il a fait à visage découvert. Mais vous, vous avez fait dans l'hypocrisie contre le peuple de Guinée. Vous n'êtes pas différent d'Aboubacar Souma, mais Aboubacar Souma est différent de vous. Parce que lui, il a fait à visage découvert. Vous l'avez fait dans l'hypocrisie. Vous l'avez fait dans l'hypocrisie. La journée que vous êtes avec le peuple, la nuit, vous êtes avec le bourreau, vous êtes avec le dictateur. J'ai été agressé, déchiré mon t-shirt d'FNDC. Qui n'a pas entendu, qui n'a pas vu? Allez voir dans les archives. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit quoi? Quand cela s'est fait, dites-moi, agressé, parce que tout simplement je me battais contre le troisième mandat de Monsieur Alpha Condé. Et vous avez fait quoi? Vous avez dit quoi? Agressé, déchiré tout ce que je portais. Vous avez dit quoi? Certains même parmi vous étaient fiers de dire que il faut lui fermer la gueule parce qu'il parle trop. Certains parmi vous étaient contents pour dire qu'il faut fermer la gueule de ce jeune parce qu'il parle trop. Certains m'ont traité de con quand j'ai refusé l'argent pour le troisième mandat. L'enveloppe qui m'a été destinée de 400 millions de francs guinéens pour soutenir le troisième mandat. Certains m'ont traité de fou. Certains m'ont traité de vaurien. Que pourquoi je n'ai pas pris l'argent là? Eh ben, c'est parce que c'est l'argent du peuple. Je les ai dit que même si c'est l'argent du peuple, la manière que l'argent là vient vers moi ne m'appartient pas. Ça appartient au peuple de Guinée. Je prends jamais l'argent volé d'un commis de l'État pour venir me donner l'argent du peuple et dire que je le prends parce que c'est l'argent du peuple. Ce n'est pas l'argent du peuple. C'est l'argent volé qui était venu vers moi. Je vous ai répondu. Je dis, je ne prends pas. 400 millions, une enveloppe de 400 millions pour soutenir le troisième mandat. J'ai refusé. Je l'ai dénoncé, oui ou non? J'ai dénoncé les mêmes personnes qui me l'ont offert. Je les ai dénoncés. Mais vous avez pu faire quoi? Vous avez pu faire quoi?
si ce n'est pas pour décrédibiliser ceux qui se battent contre le troisième mandat et rendre crédible ceux qui se battent, ceux qui veulent promouvoir le troisième mandat. On suivait votre télévision. Arrêtez, s'il vous plaît. Des émissions, il y a des émissions fantômes qui naissaient en ce temps, juste pour faire la promotion du troisième mandat. Ces émissions ont disparu. Après le troisième mandat, on ne voit plus ces reportages, on ne voit plus ces émissions-là. Que les gens disent, me demandent lorsque j'ai fait ma publication, et disent, apporte-nous la preuve, ce qui montre que Espace a soutenu le troisième mandat. Est-ce qu'il y a plus, il y a plus comme preuve que la Constitution? Est-ce qu'il y a plus comme preuve que la Constitution? Espace de son DG à ses techniciens ne savait pas que la loi guinéenne interdisait qu'un président de la République ne pouvait pas s'octroyer un troisième mandat en son article 27. Espace ne savait pas ça. Mais Espace préférait violer ça, préférait mettre ça dans les oubliettes pour nous ressortir des histoires de l'Ansana Conté, pour alimenter avec l'exemple de l'Ansana Conté, pour affaiblir ceux qui se battent, parce que ce n'est pas seulement Alpha qui l'a commencé, que d'autres ont commencé bien avant Alpha Condé. Ça, ce n'est pas une façon de soutenir, ce n'est pas une manière de soutenir le mensonge. Même s'il s'avérait que oui, certains hier ont soutenu le tripatouillage de la Constitution pour donner un mandat de plus à M. Lansana Conté. Si nous voulons un état de droit, si nous avons laissé tout derrière à travers une transition que les Fofana, les Hadja Rabiatou à l'époque se sont battus avec tout le peuple pour instaurer cette démocratie qui a donné le pouvoir à M. Alpha Condé. On ne pouvait plus s'hasarder de retomber encore plus bas, plus que là où nous avons quitté hier. Parce que nous savons en 2007 ce que ça a coûté à la Guinée pour pouvoir arrêter cette façon de gérer le pays. Nous savons ce que ça a donné. Mais c'est vous qui avez le courage de citer 2007. C'est vous qui avez le courage de citer 28 septembre. C'est vous qui avez le courage de citer toutes les crises en République de Guinée. Mais vous n'avez pas le courage de citer, c'est-à-dire la cause de ce qui a amené ces crises. Vous ne citez pas la cause et vous ne vous battez pas contre la cause de ce qui a amené cette crise. Mais vous mettez en façade seulement. Combien de vies humaines la Guinée a perdu? Combien de vies? J'ai du mal parce que il y a une chanson que j'allais vous mettre que j'ai fait avec Gassama Diaby, que j'ai pris le vocal de Gassama Diaby que j'ai fait encore pour conseiller Alpha, et cette voix vient de chez vous, Espace. Quand je l'ai mis dans ma chanson, je n'ai pas maintenant le temps de me connecter, d'aller tirer ça là de YouTube. Mais vous êtes toujours prêts à nous montrer que vous êtes, c'est vous les plus grands spécialistes des journalistes de la République de Guinée, que vous êtes les plus chevronnés, que vous êtes les plus écoutés, les ceux qui disent la vérité, et que tout le reste c'est des démagogues. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dites-moi, si moi je... Olé, on m'a demandé, hein, voilà ce que j'ai fait. On me demande, on m'envoie 400 millions pour pouvoir faire une chanson pour soutenir Alpha Condé, une chanson dans ma langue, en Kissi, de faire une chanson, d'appeler toute la communauté Kissi, à l'époque, de soutenir M. Alpha Condé dans pour son troisième mandat. Quand on m'a envoyé, j'ai refusé. J'ai fait une autre musique pour répondre à ce qu'ils m'ont dit. Cette fois-ci, parce qu'ils sont allés dire à Alpha Condé que je suis contre lui. Je vous jure, ils sont allés dire à Alpha Condé que je suis contre lui.
que je ne veux rien de bon d'Alpha Condé. Et j'ai voulu répondre à ceci face à Alpha Condé et le mettre en axe, en acte lui-même. Voilà la chanson que je l'ai fait. Vous écoutez cette chanson. On revient derrière. Pardonnez-moi. Je remets. Vous allez voir. Le président de la République est élu au suffrage. Écoutez, c'était cette chanson. On avait fait que le BFM. On a écouté la constitution guinéenne. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels, consécutifs ou non. La constitution est le plié de la démocratie. Quiconque joue avec ça, il verra le peuple sur son chemin. Mais quiconque blague avec ça, coulera le sang du peuple. On respecte ses valeurs, si nous voulons le développement. On respecte la loi, si nous voulons le progrès. Nous avons opté pour la démocratie, alors respectons-la. Nous avons opté pour la démocratie, qu'on respecte la constitution. Deux mandats, c'est bon. C'est ce que demande le peuple. Un mandat renouvelable une fois. C'est ce que le peuple a voté. Un rappel à M. Alpha Condé, écoutez-moi. Es-tu vrai que tu t'es battu 40 ans, Alpha Condé? Dis-moi, es-tu vrai que tu t'es battu pour cette démocratie? Regardez ce que je lui dis. Alpha Condé, libère ton esprit. Alpha Condé, le peuple te regarde. Alpha Condé, libère ton esprit. Alpha Condé, respecte la constitution. Combien d'années tu t'es battu pour cette démocratie? Papa, combien d'années tu as lutté pour la démocratie? Il serait dommage de te voir briser ton combat de 40 ans. Il serait malheureux de te voir sorti par la fenêtre. Respecte la constitution. Eh, Coro, respecte la constitution et parle en honneur. L'homme, c'est la parole. Respecte ta parole, papa. Le mandat, c'est bon. Référendum égale dictature. Alpha Condé. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas dit là? Je pouvais prendre les 400 millions comme vous, vous avez pris l'argent de ceux-là, vous avez envoyé sur espace pour pouvoir venir mentir au peuple, soutenir le mensonge. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Je dis bien. Si je parle d'espace, c'est parce que en son sein, il y avait des gens qui ont soutenu, mais en son sein, il y avait des gens qui ont dénoncé, qui se sont battus contre le troisième mandat. Je vais vous citer de Moussa Moïse, je vais vous citer Mohamed Mara, je vais vous citer Moussa Yero, je vais vous citer Djiba. Je vous ai cité ces personnes-là, que moi personnellement j'ai un respect pieux, j'ai un respect fabuleux. Mais hier, ce qui me fait d'ailleurs mal, quand je vois encore certains militants du RPG, certains militants du RPG qui ont soutenu le troisième mandat au prix du sang, aujourd'hui s'attaquer à M. Aboubakar Souma pour dire qu'ils n'ont aucun respect pour lui, pour dire que M. Aboubakar Souma est ceci ou cela. Pendant que c'est pour eux, Aboubakar Souma a soutenu le troisième mandat. C'est pour leur parti que je vois encore certains nous dire qu'ils sont contre ce que Aboubakar Souma. Nous condamnons la violation dont Aboubakar Souma a fait sur le journaliste Ahmed Camara.
Mais personne ne peut nous dire que les journalistes d'espace, certains journalistes d'espace, valent mieux que Aboubacar Souma. Personne, c'est faux. Ils sont tous pareils.